Enfin du Red Dead. Bon bah histoire, hein, let's go. Bon, j'ai pas le temps, on y va. On parle. Eh oh, marche plus vite aussi là. Hein? Marche plus vite. Attends. On peut dessiner dans la neige. Ok, allez vite, on y va, vite. Pardon, je fallait que je dessine un chibre dans la neige. Je suis désolé. Bonjour, c'est nous, les brigands. C'est bon, je suis caché. Chut, faites pas de bruit. Chut. Mais Ventus, j'ai dit chut, pas de bruit. J'ai le gun, on est parti. Let's go! Tiens! Let's go! Oh! Let's go! J'étais trop content de pouvoir commencer à tirer sur les gens que j'ai oublié que... C'est bien de rester caché pour se protéger quand même un peu de certaines balles qui peuvent arriver pour me tuer. Merde, je suis accroupi, je voulais pas. Ok, j'ai trouvé le bouton pour s'accroupir, c'est bon. Ah ah, je suis discret. Alors John Marston, c'est le personnage qu'on joue dans Red Dead le premier. Et donc dans le premier, il a une grosse cicatrice du coup sur le visage. Et c'est dans le début du Red Dead 2 qu'on apprend comment il s'est fait ça. Parce qu'évidemment, Red Dead le premier, il se passe après Red Dead 2. Red Dead 2 était un préquel au premier Red Dead. Et là, après, ça devient le bordel. C'est Lilou, aouh! Ah oui, alors dans ce jeu, les animaux, ils vont prendre tarif, hein, je préviens. Si vous êtes sensible. Dans plein d'autres jeux, évidemment, Lilou nous attaque, il faut s'en occuper. Et il y a une grosse partie chasse aussi dans le jeu. Et bon bah... On va s'en occuper de certains animaux. Headshot. Ta gueule. Au revoir. Plus c'est bien dans la neige, le rouge on le voit bien quoi. Tu vois le rouge sur blanc, ah, c'est magnifique, on le voit bien. Ouh, ouh. Let's go! Attends, on va. J'ai pas compris. Faut choper un truc au lasso. Let's go! On va choper un truc au lasso. Je te vois. Ah, oulé! Les petites baffes dans la gueule là. Oh là, alors! Alors, bébou! Ok, regarde. Je suis discret. Je suis totalement invisible. On va shooter. On va shooter dans le bébé. Feu! Oh, allez! Oh, j'adore ces passages-là! Oh, je m'en souvenais pas, c'est trop bien! Olé! 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 Le chapeau! Olé! Dégage! Olé! Dégage! Dégage! Ta gueule! Oh, c'est magnifique, putain. Ah, c'est tout dur, là. Ah ouais. Oh, les ralentis quand tu leur mets des headshots dans la gueule. Quoi, ça tire? Attends, j'ai pas fouillé tous les cadavres. Ok. Attends, mode sang-froid. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Ça c'est magnifique aussi, regardez ce qui se passe. Bam bam bam. Bam bam. 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 Allez. Olé. Un type, quel type? Attends, un type. Y'a plus de type.
Ah merde! Ah non, il ramène le vivant, je suis en train de lui mettre des balles dans la tête. Le mec est con, tu sais. Le mec con qui a pas compris, tu sais. Ramène le vivant! Je t'ai dit vivant! T'es vraiment trop con! Alors mon pote! Faut que j'attache, faut que j'attache, faut que j'attache. Voilà, alors déjà, ce qu'on va le faire, c'est le fouiller, déjà. Voilà. Déjà, ce qui est à toi, en fait, non, c'est à moi. Merci. Et après, on le prend. Il n'y a pas de petit profit. Hein. C'est pas tout à fait notre projet, là, tout de suite, meuf. Meuf. Oula, mec. Bruh. Dude. Gah. Dude. Bruh. Dude. Bruh. Dude. On dirait le bruit d'une sarbacane. Ah oui. Dude. Dude. Hop là. Dude. Hus! Alors pareil, évitez quand vous chassez de crier hush quand vous lâchez quand vous tirez votre flèche. Le but c'est justement d'être discret. Donc si vous criez hush, vous êtes un peu moins discret. Après c'est mon conseil de chasseur expert, hein. Faites pas ça quoi. Here we go! Oh ouais! Cours sur un train! Rien ne nous arrête. Ça va en tout cas, sympa les trains. Hein. Ça ressemble pas à nos TGV actuels, hein. Putain. C'est tellement classe de se trimballer dans un truc comme ça là. Hop là, tiens, t'es mort. Hop là, mange tes morts, toi aussi. Ta gueule. Je peux lui tirer dans les boules? Alors, c'était pas ses boules, mais belle balle dans la jambe, quand même. C'est bon, on y va, on y va. Oh là là, il est pressé. Attends, je fouille! Mais vite, il faut qu'on arrête le train, vite, vite! Oh! J'ai rien fait! Ah, mais mon mec. Ah, d'accord, mon pote s'est fait tuer. Voilà, bah il était trop pressé, le con, là. Il pouvait pas m'attendre 2 secondes, il s'est fait buter. Oh, le nulos. Casse-toi, toi. Tasse-toi, toi. Ferme-la, regarde, je fonce, on va l'arrêter. Aïe! Oh, le coup de pelle que j'ai mangé! Aïe! Aïe! Lâche-moi! Lâche-moi, bâtard! Tiens! 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 Et crache tes dents, bâtard! Ok, c'est bon! Ta gueule! Ta gueule! Oh, j'adore ces ralentis! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Oh, j'adore ça! Allez! Olé! J'adore ça. Ouh! C'est vrai que je devais mettre ça, ouais, la boîte Fanta là. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! C'est bon pour lui. Et de la sens, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je laisse en vie. Ouais, bah dis un truc et t'es juste mort en fait. Tu dis un truc et ça, bam, dans ton cul! Te fait un trou de balle, mais un endroit où ça va pas te plaire. Qu'un trou de balle au milieu du front, c'est pas agréable, frérot. Get your hands off her, friend. Tu la lâches tout de suite. A friend of mine. Get off her. Et maintenant, on lui pète la gueule. Exactly. You wanna find out? You're making a big mistake. Non, pète pas la gueule. S'il y a menace, on s'occupe de lui. Ah merde! Fallait pas faire ça! Ah! Ah! Ah merde! Oups! Ok, pardon, il faut pas tout de suite commencer par ligoter les gens. Pardon! Bonjour! Ouais, tu peux m'aider? Surtout, ne bouge pas, ok? Je rentre dans ton hôtel comme ça, sans demander de chambre, sans payer, sans rien. Je viens juste rendre visite à quelqu'un. Il a compris qu'on venait pas pour rigoler. Pas de grabuge, s'il vous plaît. Non, pas de grabuge. T'inquiète. C'est pas du grabuge que je vais faire. Oh, pardon, il faisait un petit cacou, là. Désolé. Ah, c'est là. C'est quoi ces conneries? Pour la bagarre. Oh!
On l'a one shot. Il n'y a plus rien sur lui, là. Il est en sous-vêtements. Ah si, il avait 72$ coincé dans l'arrêt du cul, là. Parfait. Allez, Zabar! Merde. Ah bah celui-là. Vol de cheval, il y avait un témoin. Ok. Pardon? Tu me menaces? Tu me menaces, monsieur? Hein? T'es un O'Driscoll? Ok. On va s'arranger alors. Un commentaire peut-être? Quelque chose à ajouter? Merde! Pourquoi il a mis un coup de pied au cheval? Je voulais recharger mon arme, au final j'ai mis un coup de pied au cheval, il est parti, génial. Alors, révérend, il y a un train qui arrive. Va falloir dégager de la voie. Ah mais il s'est coincé le pied. Oh l'idiot. Vite! C'est pas passé très très loin. Oh, le nom du cheval. Merde. Comment on l'appelle? En vrai, j'aime bien saucisson. Voilà. Voici. Rien. Ah. Allô? Où est mon saucisson? Voilà. Rien que pour ça, j'aime bien. Let's go la chasse. Chasse au lapin. Chut, faites pas de bruit. Hein. Faites pas peur à mes lapins, s'il vous plaît. Petit lapinou dans la garrigue. Le lapinou dans la garrigue. Oh, il est là. C'est le lapinou dans la garrigue. Il est mort. Il est pas mort. Il est mort. Attends, il a pris une flèche en pleine tête, il est pas mort? Us! Ah non, parce que j'ai tiré à côté, je crois. Là, il est mort! Voilà. Ça donne faim. De quoi? On a mangé le lapin qu'on a tué juste avant, Yoshi. Ça donne toujours faim? Tu veux manger mon saucisson? Comment ça, mon ref? Le cheval, hein, le cheval, hein. Le cheval, hein. On va chasser un ours. Ah ouais, carrément. Bah, let's go. Ça part direct. Le fusil. Et l'arc, hein. Ouais. Et hop, accident de chasse. Bam. On bute le pote. Oups. Talofit a encore tué un gars avec qui il était parti dans la forêt. J'attends le ours. Tu crois que ça marche comme ça, de l'appeler? Oula. Ah! Ah! On s'est fait, il m'a dévoré les couilles. On l'a vu, il m'a dévoré les couilles. Oh, je peux chasser à la dynamite? Bah après, le but, c'est peut-être plus ou moins de faire en sorte que l'animal soit dans le meilleur état possible. Si je me fais la dynamite, il pourrait y avoir des problèmes, quoi. Oh! Ah, j'ai bien fait de manger, moi, hein. Il est arrivé, il a fait... Et
Et je suis mort. Ok. Eh ben, j'aime beaucoup la chasse, c'est vraiment très très bien. Je reviendrai plus tard, hein. Allez, au revoir. Les canards. Faut coin-coin, les canards, coin-coin. Je peux t'aider, frérot, j'ai un arc. Et puis j'ai tué un ours légendaire il y a 2 minutes, là. Enfin, il m'a mis un coup de patte et après, je suis mort. Mais bon, je l'ai pas eu. Mais c'est pareil, non? Ok, on recharge la piste, là. Ah! Non! Oh, mais vas-y, les ours, là! Niquez vos mères! Je viens de me faire buter par un ours légendaire. Je pars parce que j'ai pas envie de l'affronter. Je me fais buter par un ours pas légendaire. Bah, ben, merde. Comment on dit bonjour aux gens, déjà? Salut. Salut. Je voulais juste dire bonjour. Je voulais juste dire bonjour. Pardon. Du coup, on va fouiller, mais... Non, je voulais juste dire bonjour. C'est juste qu'en... Ok, cette touche-là, du coup, c'est... C'est pour tirer. Même sans viser. Bon, bah, ok. Bah, maintenant, si je vous dis bonjour, mes filles... Oh, salut, Talo! Et hop! Protection derrière une palissade blindée. Quoi? Ah! Je descends du cheval, c'est bon. Alors, déjà, pourquoi? Déjà, pourquoi? Je renverse des gens en cheval, ça part en fusillade. Les gars, il n'y a pas de juste milieu ou quoi dans vos vies? C'est quoi ces conneries? Et en plus, on peut pas piller les gens. On peut pas tuer des gens. Tuer des gens, c'était pas un crime. Mais les piller, par contre, tout de suite, il va en parler à la police. Je comprends pas. On peut plus tuer quelqu'un tranquille, quoi. C'est honteux. Vraiment, je suis outré. Alors, personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Non, je suis recherché par la police. Eh ben, super. Je vais être sympa, parler aux gens, voir ce qu'ils ont à me dire. Au final, je suis recherché par la police pour double meurtre et pillage des cadavres. Super. Ah, je me disais que c'était beaucoup trop calme. Putain, laissez-moi courir. Mon cheval, bande d'enculés. Ils ont tué Saucisson. Ils ont tué tout le monde. Ils ont culé. Salut. C'est bon? J'ai réussi à dire bonjour sans tuer la personne. Let's go. Je suis fort, en fait. Bonjour. Cher Chick Matthews. Chick Matthews? You might want to talk to that fella over there. Nah, I'm just here to work for the season. Ain't no one gonna help me. Ne prends pas pour un con, Chick Matthews. Je sais que c'est toi. Non, viens avec moi, on va parler à l'autre, toi. On va voir si c'est toi ou si c'est pas toi. Ah, je peux plus, parce que du coup, je l'ai kidnappé. C'est quoi ces conneries? Mais c'est lui, Chick Matthews, pourquoi je peux... C'est quoi cette merde? C'est nul. Bon, je le fouille. Hop là. Bonjour. Ah. Rendez l'argent. Alors, attends. On va commencer par parler à lui. Et voilà, il s'enfuit. Je savais que c'était lui. Le jeu m'a pas laissé le saucissonner tout à l'heure. Alors que je savais que c'était lui. C'est honteux quand même. Ok, je suis repéré. Ça parce que mon perso était debout. Hop là, je lui ai lavé les oreilles là. Cours-lui après, cours-lui après. Cours. Il est où? Il est mort? Maintenant oui. Ouais, c'est pas de témoin. C'est pas de témoin, c'est trop dangereux de laisser des témoins. Bonjour, c'est Mua. Ah. Tiens. Merci, il m'a sauvé quand même. Je sauvegarde, hop. 13,9%. Eh ben bon courage à tous.